Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec un sommaire très complet puisqu'on va parler évidemment de l'affaire Griveaux. On va parler aussi de la connerie. Est-ce que c'est lié d'ailleurs avec cette affaire ou pas? On va parler peut-être aussi des Césars. Et pour en parler, Florence Mercadet, bonsoir. Bonsoir Patrice. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. À côté de vous, Pierre Chevalier. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la communication. Vous avez une agence qui s'appelle Night Watch. Night, c'est chevalier en anglais, hein. C'est pas night comme la nuit, hein. Non, voilà. C'est la garde avec de nuit. La garde de nuit pour chevalier. Michel Lombroso, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgien dentiste à Versailles. Tout à fait. Et Jean-Charles Lajoigny, vous êtes éditeur. Toujours. Toujours. Vous n'avez pas changé de métier. Non. Vous ne voulez pas changer. Non, je reste et je publie des choses. Vous voulez qu'on parle tout de suite de cette manière de jurer? Oui, parce que ça, c'est vraiment. De Frédéric Bertin Denis. Ouais. C'est pas son premier livre. Non, c'est son deuxième ou troisième livre. C'est le premier chez nous. Et c'est une histoire assez... C'est venir le jurer, ça interpelle les avocats, ça. Ça devrait, s'ils ne sont pas en grève. Bon, ils vont un jour les défendre, éventuellement. C'est l'histoire de terroristes. C'est l'humanité, cette manière de terroristes qui décident un beau jour d'enlever 7 capitaines d'industrie à travers le monde pour les juger contre crimes contre l'humanité et crimes écologiques, etc. Et donc, ils vont les juger devant 7 milliards de jurés sur Internet. Et bien évidemment, ils n'ont aucune intention, ils se contrefoutent de l'avis des 7 milliards de jurés. Ils ont bien évidemment l'intention de les exécuter. Et il y a un policier qui n'est pas loin de partager leur thèse en disant « Oui, effectivement, ils ont enlevé 7 salopards, mais quand même, moi, je suis légaliste, je suis policier, etc. » Et il va essayer de... — Parce que la loi doit être supérieure. — Voilà. Et le personnage... Toute l'originalité du roman, outre l'intrigue qui est vraiment astucieuse, intelligente, c'est la personnalité du policier qui bataille sans arrêt entre certaines sympathies qu'il a pour les thèses défendues par ces terroristes et la défense de la loi et de l'ordre. Voilà. Donc c'est très très bien. Est-ce qu'on perd tout de suite l'abcès de la grève des avocats? Parce que nous avons un avocat en grève ici. Mais n'aimez pas cette grève. Mais ils ne sont pas tous en grève, là. Bonne preuve, Maître Mercadet est là. Donc elle n'est pas en grève. Donc c'est une grève de géométrie variable. Elle n'est pas là en tant qu'avocate. Il faut recadrer un peu. On fait la grève du judiciaire. Oui. C'est-à-dire qu'on fait la grève des audiences. D'accord. Mais pendant ce temps-là, vous gagnez quand même de l'argent dans vos cabinets. Oui, mais il y a des cabinets qui ne gagnent plus rien. D'accord. Mais ça veut dire, par exemple, tout le business, toute la finance, vous faites toujours. Mais pas vous, hein, mais en règle générale. Si on a des consultations, on donne les consultations aux clients. Oui, c'est la grève du judiciaire. Donc c'est une grève tranquille. Quoi. Ah non, pas du tout tranquille. Il y a des cabinets qui ne font que du judiciaire. Oui, pour cela. Mais pour les autres, c'est une grève... Je pense que pour les avocats conseils... il y a 100% de barreaux en grève. Donc, on n'est pas une profession qui a dans l'ADN la volonté de faire grève. Donc, ça ne nous arrive jamais de faire grève. Donc si on le fait et que 100% des barreaux le font, c'est qu'il y a quand même une bonne raison. Quitte à avoir des baisses de chiffre d'affaires, il y a des cabinets qui ne touchent plus rien parce qu'il y a plus d'aide. Il y avait, maintenant on est revenu sur l'aide juridictionnelle, les commissions d'office, la défense des libertés, ça c'est reparti. En revanche, toutes les audiences de fond sont effectivement renvoyées et on a des très très bonnes raisons pour le faire. Non, mais les causes de votre colère sont tout à fait légitimes. Mais je reviens juste sur ce que vous venez de dire en disant si 100% des barreaux sont pour, c'est que c'est une... La majorité n'est jamais... C'est pas une majorité, là. C'est l'unanimité des barreaux. Mais l'unanimité ne fait jamais raison. Enfin, je rappellerai que 98% des Allemands et des Autrichiens ont voté Hitler. Est-ce qu'ils avaient raison? Je ne suis pas sûr. 98%. Non, mais je dis, arrêtons avec ce truc, l'unanimité. Non, mais on s'en fout de l'unanimité. Il y a une colère qu'il faut entendre. Il y a une colère légitime. Il y a une vraie colère de toutes les professions. Michel Lombroso, justement, les professions médicales aussi sont affectées par cette réforme. Bien sûr, les dentistes en particulier. On a une caisse autonome qui a anticipé une pénurie démographique depuis 20 ans. Donc à titre personnel, je cotise très fortement depuis 20 ans. Notre caisse a mis de côté une réserve qui va du coup être spoliée par la réforme, ce qui est tout à fait inacceptable. Et si je vais encore plus loin, nous on a une réforme il y a très peu de temps avec le fameux
100% santé. Mmh. On s'est vu plafonner sur certains de nos honoraires de prothèses, ce qui est complètement aberrant. C'est comme si, par exemple, on décrétait du jour au lendemain qu'une bouteille de vin, quel que soit le vin, ça coûte pas plus de 50 euros. Mmh. C'est quand même aberrant de venir plafonner quelque chose qui est finalement... il y a une libre concurrence. C'est aussi bon pour la santé en plus, qu'une prothèse. Donc en fait, c'est tout un modèle de profession libérale qui, pour moi aujourd'hui, est complètement remis en question et il n'y a plus de libéral que le mot. Voilà. Vous craignez ça, justement, l'atteinte cette idée de la profession libérale? Parce que c'est vrai on voit de plus en plus. Oui, il y a l'assurance, par exemple, qui va être plafonnée, l'assurance juridictionnelle. Ça a toujours été comme ça, la juridictionnelle. Donc ça a toujours été plafonné. Ça fait 20 ans que ça n'a pas été revu, malgré nos demandes. Depuis 20 ans, en 10 ans, il faut quand même revoir un tout petit peu. Comme les honoraires. Non, mais ça, les honoraires libres, c'est une chose. Mais, des honoraires, le remboursement par la sécurité sociale aussi, c'est pas plafonné quand même. C'est plafonné, mais bon, les réformes sont aussi souvent un peu vite promulguées, mal fichues. Là, ils viennent de se rendre compte que finalement, les mutuelles ont trouvé des moyens, des subterfuges de ne pas rembourser à 100%. Moi, je le vois tous les jours dans mon cabinet. Les patients, finalement, n'ont pas les remboursements qui étaient promis, escomptés, alors que les cotisations ont augmenté et que maintenant, le ministère de la Santé dit « Oui, bon, on va essayer de voir comment minimiser l'augmentation des cotisations de mutuelles ». Finalement, tout est fait un peu en dessus-dessous, en tout cas trop vite. Mais le premier projet de réforme avait exclu les professions libérales. Et c'est Delevoye qui a remis les professions libérales dedans en disant « Bon, de toute façon, c'est universel, donc c'est pour tout le monde, on met les professions libérales ». Donc ce qui est quand même... ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils auraient mieux fait de ne pas le faire. Bah oui, mais ça permet de le financer, non? Un petit peu. Ah bah oui, si non mais... prend un peu d'argent, c'est Ils peuvent récupérer entre 8 et 10 milliards toutes les professions libérales. Si le but, c'est ça, finalement, de faire une assurance pour tous. Je me demande si c'est vraiment une question financière ou s'il y a une espèce de... Non, mais ce qui demande... C'est un peu le mal français, ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on trouve toujours une corporation qui a l'air, oui, c'est honteux, c'est scandaleux. Non, mais là, c'est pas la même chose. Les gens qui ont cotisé... On n'est pas un régime spécial. Le bien général ne doit pas prendre le pas sur son bien personnel. Attendez, on n'est pas un régime spécial, puisqu'on a les limites d'âge, les 64 ans vont s'appliquer pour nous, les malus bonus vont s'appliquer pour nous. La seule chose, c'est qu'on finance de manière autonome nos retraites. Point. Donc, je n'étais pas déficitaire. Voilà, on l'a géré. Bénéficiaire. On versait 180 millions d'euros au régime général. Je vous dis encore une fois, je trouve la cause juste. Je ne trouve pas très sain de la part d'avocats de laisser des gens en prison en disant nous, on fait grève. Je trouve que les avocats, l'unanimité des barreaux dont vous parlez, feraient bien de s'occuper de la présomption d'innocence qui est bafouée dans notre société depuis des années, de plus en plus. La question de retraite, que pour autant ils abandonnent tous leurs principes. Non, mais il y a d'autres combats. Je trouve qu'il y a. On emmène beaucoup des combats. Bien sûr, Jean-Charles, on emmène beaucoup. Celui-là fait beaucoup de bruit. À chaque fois qu'il y a un conflit quelque part, il y a quelqu'un qui dit oui, mais il y a d'autres combats plus intéressants. Il y a toujours d'autres combats plus intéressants. J'ai le droit d'avoir un avis. Si on continuait à exercer notre métier normalement, notre grève, ce serait quoi? C'est juste on met un brassard et puis on continue à bosser. Et on n'aurait rien. On n'aurait rien. Si vous voulez, on trouvera d'autres moyens de faire des choses. Les libertés sont préservées puisque nous défendons les libertés et les problématiques d'emprisonnement. D'accord, tout le monde reste en prison et on attend non, que ça. Non, puisqu'on on plaide sur les mises en liberté. Ne répondez pas. Bon, trop mauvaise foi. On va passer à l'événement. Comme l'événement, d'habitude. C'est donc l'affaire Griveaux et c'est donc l'événement. Oui, bah oui, tout le monde ne parle que de ça, évidemment. Alors l'affaire Griveaux et ses conséquences, est-ce qu'il est besoin de rappeler les faits? Tout le monde les connaît, je crois. Donc c'est la diffusion d'une sextape privée sur les réseaux sociaux et qui met en cause le candidat LREM à la mairie de Paris. Et il a décidé, après la diffusion de cette vidéo, d'arrêter sa campagne. Et non pas sa compagne. L'inverse qui va se produire. Et évidemment, ça pose évidemment énormément de problèmes. Le premier, c'est d'ailleurs un problème
politique, c'est-à-dire est-ce que quand on est victime d'une attaque pareille, il faut céder ou est-ce qu'il faut résister? Moi, je crois que le vrai problème, c'est que quand on est homme politique, est-ce qu'on doit faire des vidéos privées, des sextapes, et les balancer sur les réseaux sociaux? C'est un peu la vraie question. Parce que après, je veux dire que M. Mimil, qui n'a aucune importance dans le jeu de la société, fasse des vidéos porno, qu'il les envoie à qui il veut, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que quand on fait une vidéo porno et qu'on la balance, on s'expose à être victime de chantage. Alors c'est un peu gênant, quelqu'un qui a été ministre... Alors, c'est vrai que c'est pas l'attitude la plus maline. Voilà. Bon. Maire de Paris, c'est pas président des États-Unis, c'est pas non plus. Bon, c'est non, mais il était ministre. Voilà. Donc ça me gêne un petit peu. Déjà, ça, on pourrait faire un peu attention. Comme le disait une fois n'est pas coutume intelligemment Olivier Faure, le président des États-Unis, quand il est président des États-Unis, on lui confisque tout son matériel. Il n'a plus de téléphone personnel, il n'a plus de moyens de communiquer. Sans passer par le service. C'est pas Trump qui fait un tweet, par exemple. C'est vérifié. Non, mais c'est sur un téléphone qui est le sécurisé, téléphone ouais. sécurisé de la présidente. Et c'est bien lui qui l'a fait. Ah, bien sûr. Non, mais ça n'empêche pas. Mais c'est cadré. Et là, bon, visiblement, il y a quand même un certain amateurisme. Oui, mais parce que justement. Pardon, mais là, vous êtes. Excusez-moi, mais il y a une confusion entre deux choses. Quand le président des États-Unis se sert de ce téléphone dont vous parlez, c'est pour une raison politique. Là, ce n'était pas pour une raison politique, c'était une raison privée. Michael Lombroso, plusieurs éléments. D'abord, depuis effectivement 2007 et l'affaire Laure Manaudou, moi je me rappelle, j'ai été profondément choqué. C'était l'une des toutes premières affaires de sextape. Ça, c'est ce qu'on appelle une revenge porn. Voilà, c'est ça. Nul n'est censé ignorer que quand on poste une photo, même à titre privé, elle peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est le premier point. Et ensuite, moi, j'ai deux sentiments par rapport à ça. Un sentiment de dégoût, et je vais m'expliquer, et un sentiment en même temps de fascination. Dégoût parce que la classe politique est quand même censée incarner une sorte d'idéal, une sorte d'exemplarité, et que toutes ces affaires, que ce soit l'affaire Cahuzac, Fillon, Strauss-Kahn, Tron et j'en passe, finalement finissent par salir la classe politique dans sa totalité, la délégitime, et finalement des gens très bien se retrouvent aussi finalement sous les feux de la rampe alors qu'ils n'ont rien demandé pour ça. Et en même temps, donc, fascination aussi, parce que si j'essaie de comprendre et de me mettre à la place des différents protagonistes de cette histoire, mais je trouve que c'est complètement incroyable. Déjà, qu'est-ce qui pousse un Benjamin Griveaux à envoyer une sextape apparemment à sa maîtresse? Qu'est-ce qui pousse celle-ci à la communiquer ou alors à son conjoint, à son compagnon de la lui extirper? L'indique il a fait ça parce qu'il déteste Poutine et que Macron serait un petit peu... Se serait en train de se poutiniser. On est dans un truc qui est complètement incroyable. Et un emballement médiatique. Il y a une espèce de dégoût, de fascination en même temps. Alors, voilà. Oui, il ne faut pas tout mélanger, parce que vous dites qu'est-ce qui pousse Griveaux. Je veux dire, tout le monde a le droit de se photographier en faisant ce qu'on veut. Après, on est ministre, on ne l'est pas, mais je veux dire, ça n'a rien de commun avec Strauss-Kahn qui coince une femme de ménage dans un hôtel. Il n'y a rien de légal, de la morale, quand un ministre se retrouve exhibé comme ça sur les réseaux sociaux, mais je comprends on a le droit d'être choqué. Oui, enfin... Pierre Chevalier et puis Florence Percadé. Ce qui est étonnant, c'est qu'on assiste à deux choses, à deux éléments, et je vous rejoins sur pas mal de cela. Le premier, c'est que c'est l'explosion des secrets d'alcôve. Donc là, c'est la vie publique qui, à travers les réseaux sociaux, atterrit sur ce tribunal populaire, et ce tribunal de tous les instants. Et puis, ce qui va avec, c'est cette instantanéité et cette transmission de ces vidéos privées qui versent dans le domaine public. On est tous d'accord pour dire que, d'une part, c'est pas le premier politique à se faire prendre dans une histoire de mœurs et d'esprit volage, on va dire. Sauf qu'à l'époque, on a tous au moins un exemple. Il n'y avait pas ces moyens-là, et ça restait évidemment secret. Si je peux vous interrompre une seconde, il y a une photo qui a hurlé de rire. Enfin, je trouve, c'est Chirac
et Mitterrand qui rigole, c'est un montage, ils sont en train de rigoler, et il y a la légende dessus, ils viennent d'apprendre que Griveaux vient d'abandonner une élection parce qu'il avait trompé sa femme. Voilà, évidemment qu'à l'époque, voilà, c'était su et connu dans un sérail, oui. Mais là, et puis même les Français ne trouvaient ça pas si mal que ça. Exactement. C'était même plutôt bien vu, un type qui avait... Voilà. Oui, un chaud-lapin, il y avait un côté comme ça, gaulois, un peu gaulois, un peu fier de lui, un peu con, quoi, mais franchouillard, et puis bon, les gens aimaient ça, quoi. On transpose le débat. Là, on n'est même pas à l'état d'étudier les programmes de chacun des candidats à la mairie de Paris qu'on a versé sur le plan totalement personnel, privé, en dessous de la ceinture. Ça pose un certain nombre de questions sur justement ce que l'on prête à la vie politique et à la représentation de nos édiles et d'une manière générale à la vie publique et à la vie politique. On est également tous d'accord, je pense, pour pouvoir dire qu'il n'a pas été très malin de tourner et d'envoyer sur les réseaux sociaux, à la base. Sur les réseaux sociaux ou même sur Internet, avec la toute-puissance de Google, une photo ou une vidéo peut très vite se retrouver sur Internet. Là, en plus, il y a un acte de partage avec des grands guillemets, qui fait qu'il y a ce risque-là de ne pas avoir fait table rase de son passé. On parlera peut-être de ceux qui ont rediffusé aussi la photo. Florence Percadet, sur cette affaire. Oui, écoutez, je pense que plein de choses ont été dites. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qu'avait exprimé Olivier Faure sur France Inter, où il disait qu'il avait commis une faute politique en envoyant cette photo à son ami. Alors, il fait ce qu'il veut, effectivement, de sa vie privée. Hein, est-ce que c'est une faute politique ? Parce que, bah, c'est une faute politique. Non, moi, je pense que c'est une faute professionnelle, dès lors qu'il serait comme Jean-Charles, Michu, ça ne pose pas de problème, mais il était ministre. C'est vrai qu'il était ministre, il peut mettre en danger le gouvernement. Absolument. Il se met à la portée de main de personnes qui veulent faire chanter, qui veulent... Quoi qu'il soit, c'est du pain béni pour essayer de déstabiliser, et ce qui est le cas d'ailleurs, de déstabiliser l'État. Donc c'est là où je trouve qu'il a fait une faute professionnelle, qui n'est pas une faute pénale, c'est une faute professionnelle dans le cadre de l'exercice de son activité. Il ne faut pas se méfier des femmes. Mais c'est lui qui fait tout seul sa vidéo. Souvent, bon. Quand il y a des procès après, enfin, c'est souvent lié à un procès de Thierry Gobert actuellement. Enfin, bon, s'il s'était mieux comporté avec sa femme, il n'aurait pas été détourné. Du coup, je pense qu'on va prendre un tout petit peu de hauteur et dire. Quitter le rayon bistouquette en se disant, bon. Au-delà de tout ça, il y a quand même des gens... Qu'est-ce que ça nous dit, cette affaire ? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle quand même que, pour descendre un type qui se présente à la mairie de Paris, qui avait certes pas beaucoup de chances d'arriver à décrocher le trône, mais on va quand même assez loin, parce que c'est assez compliqué, techniquement, d'avoir piraté la vidéo, c'est sur Snapchat, je crois, ça disparaît très vite. Enfin, c'est pas le premier crétin n'est pas capable de le faire. Donc, il y a quand même une organisation visiblement derrière, enfin des gens bien organisés pour faire ça. Et peut-être que s'ils n'avaient pas trouvé cette histoire de masturbation, ils auraient trouvé autre chose. Ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui sont là et qui se disent, OK, on va faire chanter. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est tout un dossier. Alors là, c'est un dossier sexuel, mais ça pourrait être un dossier financier, ça pourrait être plein d'autres choses. C'est ça qui est intéressant, enfin, qui est angoissant d'ailleurs. Je voulais juste compléter, parce que là, on parle des politiques, mais ce genre d'affaires, moi, j'ai eu des dossiers comme ça, 2-3 dossiers, où des chefs d'entreprise se sont retrouvés dans des situations très embarrassantes parce qu'ils ont eu des relations avec une personne de l'entreprise et qui a fait effectivement du revenge et derrière, non, qui a balancé les vidéos sur le site intranet de la société. Et notamment, il y en avait un qui était président d'une société qui était une société américaine avec une filiale en France. Ben, les Américains, ils n'ont pas aimé. Et donc, c'est pour dire que les politiques sont inconscients, mais certains aussi, chefs d'entreprise, se retrouvent pris complètement au piège
où je crois que les gens, à un moment donné, ils se rendent plus compte de ce qu'ils font et de, des conséquences de ce qu'ils font. L'amour, le sexe, ça dépasse tout. Il vaut mieux penser avec sa tête qu'avec autre chose. J'aimerais prendre un petit peu de hauteur sur cette histoire. Et finalement, on est face finalement à une mutation de la société qui est incroyable. J'ai exhumé un sondage réalisé en 2013 par l'IFOP sur les Français, la sexualité et les moyens techniques d'aujourd'hui. Et en 2013, il trouvait que les moins de 30 ans, une personne sur quatre avait déjà demandé une vidéo de son partenaire nu. Une personne sur quatre. Et en avait déjà envoyé une elle-même. Une personne sur quatre des moins de 30 ans. Incroyable. Donc c'est absolument incroyable. Enfin, je veux dire, on est face à une exhibition, à une diffusion de... Sondage pour sondage, là, vous avez que... Oui. Comment ? Avant, c'était peut-être fait, mais autrement. Un sondage montre que 30% des Français approuvent la diffusion de cette vidéo. Ah oui. C'est 30% de gens qui n'ont jamais vu non plus peut-être quelqu'un s'activer. Ce qui est intéressant, c'est de voir la ligne de conduite, si je peux m'exprimer ainsi, de Pavlansky, qui a mis en ligne ces vidéos en Pavlansky, disant... c'est Piotr. C'est Piotr Pavlansky, qui a fait ces vidéos sur son site porno-politique, et qu'il dit, au départ, c'est pour dénoncer le puritanisme de certains de nos politiques, parce qu'il n'y a pas que Griveaux qui était visé sur ce site-là, il y en avait plusieurs qui avaient des casseroles, et donc son parti est de dire que en montrant ce type de vidéo, il dénonce le puritanisme affiché d'un Benjamin Griveaux, par exemple, jusqu'à preuve du contraire, Il mettait en avant beaucoup sa famille, ses enfants. Oui, enfin, c'est pas Griseau. Mais il ne faut pas exagérer. Le débat agité de journalisme depuis très longtemps. Il y a eu des candidats à la présidence de la République qui mettaient en avant leur famille et qui trompaient allègrement leur femme. Et je me souviens que Jean-François Cannes, enfin des journalistes comme ça, qui sont des journalistes sérieux, c'était interrogé. Est-ce qu'il faut dire les choses ou pas dire les choses? Enfin, la frontière entre la vie privée et la vie publique, quand est-ce qu'elle est saine ou quand est-ce qu'elle est... Il n'y a eu aucun démenti. En me disant, ce n'est pas moi sur la vidéo. Il aurait pu. Non, c'est pour ça que quand je disais, est-ce qu'il n'aurait pas dû résister? Parce que, après tout, il aurait pu dire. On devine que c'est une relation extra-conjugale. Oui. Il y a probablement peut-être d'autres vidéos où là, il pourrait pas dire, c'est pas moi. S'il était en tête des sondages pour la mairie de Paris, est-ce qu'il aurait démissionné si vite? C'est la question que je me suis posée. Bonne question. Est-ce que finalement, il n'a pas profité de cette énorme goutte d'eau? Alors ça, on va peut-être en parler tout à l'heure, parce que ça change la situation politique à Paris. Mais honnêtement, là, il est totalement détruit, il est anéanti, il a perdu sa femme, il a perdu Félix. Donc, je pense que franchement, il y a quand même sa famille. Non, mais est-ce que vous n'êtes quand même pas inquiet par la situation de la démocratie aujourd'hui dans notre pays? Moi, ce qui m'étonne quand même aussi, c'est que ce pseudo-artiste russe, enfin, je veux dire, qu'on voit sur les réseaux sociaux, enfin, entre deux vidéos de Benjamin Griveaux... Mais soi-disant, en opposant Poutine, mais on n'est pas si sûr que ça. On le voit, lui, quand même... entouré de deux types qui ont l'air d'être plutôt... le crâne rasé, etc., devant un drapeau nazi... On le voit essayer de brûler un mur de la Banque de France à Paris, et ce type est là en toute impunité à Paris. Il a agressé au couteau des gens. À donner des soins à tout le monde. Voilà. Et c'est un réfugié politique. L'ancien réfugié politique peut essayer de brûler la porte de la Banque de France et que tout le monde dit, bah oui, on sait où il habite, tout ça est charmant, etc. Je trouve que là, sans parler de laxisme, il y a quand même des choses curieuses en France, quand même. Enfin, quand on nous dit qu'on est dans une dictature, c'est une dictature sympathique. Parce que si, franchement, on peut faire ce que fait ce type... Mais c'est une démocratie en crise, quand même. Non, oui. Ce genre d'affaire, enfin, c'est une démocratie qui s'interroge. Tous les symboles de la République et de la démocratie être mis à mal, que ce soit par les gilets jaunes avec des actes très symboliques comme les statues qui sont vandalisées à l'Arc de Triomphe. On a vu aussi la place de la République qui avait été vandalisée par différents mouvements. Enfin, il y a toute une symbolique de cette démocratie qui aujourd'hui est attaquée. Et finalement, est-ce que la démocratie se défend? Moi, c'est un peu la question que je me pose. Et on a l'impression qu'elle prend les coups, cette démocratie, cette République, et finalement, elle est un peu exsangue, elle est un peu atone. Et moi, je m'étonne justement que la classe politique ne prenne pas à bras le corps ces différents éléments et se laisse bafouer comme ça. La défense de la démocratie, justement, ça ne va pas être de dire, attendez, c'est une histoire privée, ça ne regarde absolument personne, et je maintiens ma candidature. Est-ce que ce n'était pas une façon de défendre aussi, de résister, au fond, à ces attaques? Alors, il y a une autre chose qui est assez intéressante, me semble-t-il, c'est la violence en politique. Parce que c'est un symbole de la violence en politique, cette attaque, cette diffusion des images. Mais
il semble quand même... Alors il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des violences dans la rue, mais dans le vocabulaire politique, des gens comme Mélenchon, comme peut-être Marine Le Pen, mais Mélenchon peut-être, il avait théorisé cette violence de l'attaque discours, politique en pensant peut-être que le fait de n'en tenir un discours qui s'appropriait cette violence allait dériver cette violence. Or, c'est le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire que ça a lâché les vannes. Ah, vous avez tout à fait raison, mais il y a un tout petit contre-exemple, c'est que là, justement, sur Griveaux, tout le personnel politique, de Marine Le Pen à Mélenchon, tout le monde l'a soutenu de façon assez étonnante. Parce que on pouvait s'attendre. Il y a des dossiers. Ça, d'une part. Et ce qui est quand même assez amusant, c'est que j'ai du mal à imaginer si c'était un type du Front National ou un type d'un autre bord politique extrémiste qui s'était fait piéger avec cette vidéo, est-ce que l'unanimité politique pour le défendre aurait été la même? Je suis pas sûr. Là, c'est un débat plus général en disant est-ce que tous les coups sont permis désormais démocratie, et dans notre vie politique, est-ce que tous les coups sont permis? Quand on voit une bassesse comme celle-là, certes, il y a sûrement une négligence et bêtise au départ, mais cette mise au banc et cette mise au pilori populaire via les réseaux sociaux est très inquiétante pour l'état du débat, au moins ça, l'état du débat dans la vie politique, que ce soit pour des élections municipales ou des élections d'un autre rang. Oui, ce ne sont que des élections municipales. Ça fait peur quand même pour le bon espoir sur le niveau. Le niveau des débats, on n'a même pas encore parlé de programme pour tous les candidats de la mairie de Paris. Mais il faut noter que ce coup bas n'est même pas du monde politique. Contrairement aux États-Unis où les partis se font des coups terribles et c'est les partis qui financent parfois des... À qui profite le crime dans ce cas-là? Il n'était pas en tête des sondages, loin de là. Donc on peut présumer que ça ne vient pas du monde politique. Qui aurait eu intérêt à le mettre à bas comme ça? Je vous trouve bien optimiste. Parce qu'en fait, le crime profite à La République En Marche. Parce qu'il était sur les faits de corps. Il était pas dans les sondages. Peut-être revenir après aux conséquences politiques sur la mairie de Paris. Il y a aussi quand même Internet. Enfin, derrière tout ça, il y a aussi l'émergence des réseaux sociaux qui a considérablement changé et nos vies et la façon de faire de la politique quand même. Et comment ça se passe, Florence Mercadet, sur le... est-ce qu'on peut poursuivre les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils peuvent arrêter vidéo? On peut les poursuivre que... Alors, ils ont une responsabilité si ils n'arrêtent pas un contenu illicite alors qu'ils ont été informés de l'existence de ce contenu. C'est-à-dire que on leur dit « Attention, il y a quelque chose qu'il faut supprimer », ils ont 24 heures pour le supprimer. S'ils ne le font pas, ils engagent leur responsabilité. Et ça s'arrête là. Ce qui est seulement rajouté, c'est qu'en matière de sextape, vidéo, sexe et compagnie, là, ils doivent justifier d'avoir mis en place des moyens pour permettre aux internautes de faire des alertes. D'accord. Voilà. Mais leur responsabilité, parce qu'ils sont hébergeurs seulement, ils ne sont pas éditeurs, ils sont simplement hébergeurs. Leur responsabilité s'arrête là. D'ailleurs, le site de Pavlonski a été chinté pendant la journée. Et ça va même jusqu'au profil LinkedIn d'Alexandra Tadeo, qui est a priori présumée compagne de Piotr Pavlonski et la destinatrice des vidéos de Benjamin Griveaux. Donc ça fait beaucoup d'hypothèses, mais son compte LinkedIn a été chanté également assez rapidement. Tout à fait, mais après, il ne faut pas oublier que même au-delà des réseaux sociaux, une fois que c'est parti sur les réseaux sociaux, tout le monde s'échange des trucs par mail. Et là, c'est plus... C'est même plus les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la vidéo de Griveaux, « Ah tiens, c'est rigolo, et je t'envoie ça, et ça part, et là, c'est fini. » Et là, aucun réseau social n'est derrière. C'est juste un échange de mails, et puis c'est tout. Oui, et mais donc... après, derrière, s'il y a une diffusion de ces mails-là, chaque personne... Alors, les personnes qui retweetent ou les personnes qui transfèrent peuvent être pénalement poursuivies. Il y a Son Forger, le député. Il y en a deux qui ont relayé. Laurent Alexandre, qui s'est d'ailleurs excusé. Laurent Alexandre, le médecin fondateur Déposé par Benjamin Griveaux. Le député, lui, ça a l'air d'être... Son Forger, oui, c'est... Là, on a du niveau. Oui, mais je crois que c'est un médecin.
Alors, je ne sais pas, mais... Ce sont les médecins qui relaient. Carrément... J'ai entendu sa déclaration de candidature à la présidence de la République. C'est hallucinant. Ce qui revient souvent avec le cas de Jean Forger, c'est pour les détracteurs de notre équipe gouvernementale en place et de la LREM, c'est le côté amateur et le côté... peu de recul, peu d'historique en politique, et donc une équipe qui se distingue parfois par son jugement à l'emporte-pièce et son amateurisme. C'est vrai que Thibault, dans ce coup-là, était complètement amateur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est justement ce qui peut aussi réhabiliter la politique. Vous voyez, on a ouvert la porte à la société civile, on a ouvert la porte à plein de gens. Terrible. Peut-être que l'ancien monde, c'est pas si mal que ça. Peut-être que des gens qui vraiment aiment bien la politique. Suit tout de suite le discours de Macron qui est versé les députés. Qu'il avait dit rester amateur. Oui. Ils sont restés très amateurs. C'est comme dans le sport, c'est pour pas les payer. Il y a aussi alors d'autres débats. Moi, je suis pas sûr. Enfin, vous allez me dire s'ils sont bien dans le sujet. L'américanisation de la vie politique. Est-ce que c'est ça qu'on voit? Et puis la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Là, il se trouve que le type n'est pas anonyme du tout. Donc c'est pas la question de l'anonymat. Est-ce que c'est aussi une américanisation? L'américanisation de la vie politique, c'est la morale qui intervient dans la politique. Là, c'est une attaque purement politique, me semble-t-il, non? Moi, j'ai l'impression que ce qui marque la politique américaine, c'est à la fois d'énormes moyens de financiers, des moyens d'investigation, des moyens médiatiques d'un côté, et effectivement, de l'autre côté, une sorte de puritanisme. Et il y a une espèce de patchwork qui se fait entre ces deux composantes. En France, l'aspect financier a quand même été limité avec les lois qui ont été passées à la fin du siècle dernier. Le côté puritain, je suis pas convaincu. On est quand même le pays qui avons fait le mariage pour tous. Je crois qu'on est surtout dans une perte de frontières entre le public et le privé. Oui, et on le voit à tous les niveaux, et qu'il n'y a plus de frontières, et qu'évidemment, ces hommes publics s'exposent, évidemment. Et lorsque la frontière n'existe plus, il n'y a plus de garde-fous. C'est dans tous les domaines, et c'est de la problématique des réseaux sociaux et d'Internet, et... On est vraiment là-dessus, quoi. Ce qui fait qu'il n'y a plus de privé et de public. Pour utiliser un mot anglais, je dirais, dans le Grivogate, il y a uniquement la vitesse de propagation, en fait, qui est à imputer aux réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Le premier geste, c'est un geste maladroit, malhabile, une connerie monumentale de Griveaux d'envoyer cette vidéo. Après, le tribunal populaire et l'explosion des secrets d'alcôve, c'est les réseaux sociaux qui se chargent de propager cette nouvelle à une vitesse phénoménale. Absolument. L'anonymat, c'est autre chose. C'est aussi un autre problème, la question de l'anonymat. Il n'est pas en cause. C'est un vrai problème, celui de l'anonymat. C'est vrai qu'il y a un déversoir de haine dans les réseaux sociaux qui est facilité probablement par le fait que on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est pas ce qui est en cause dans cette affaire. Je dis ça parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui, j'aimerais bien que vous ayez raison, mais j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas si anonymes que ça. C'est ça le drame. C'est-à-dire que ce déversement de haine... Il y en a quand même. Oui, mais bien sûr. Mais ce déversement de haine, très souvent, il est également un visage découvert. C'est ça le problème aussi. Après l'anonymat, moi très honnêtement, c'est un peu comme les caméras dans les rues. Moi, j'ai rien à me reprocher. Si je dis une connerie, j'ai envie que ça soit sous mon nom. Et voilà. Donc moi, l'anonymat, je suis plutôt contre. Mais après, c'est une question de courage aussi. Une question de courage à assumer certains propos. Oui. Et on parlait lors de la dernière émission de l'affaire Mila. C'est ceux qui attaquent à visage couvert. Ne montrent pas vraiment de grand courage d'assumer leurs opinions. Alors, sur ce sujet-là, vous avez d'autres choses à rajouter? On peut passer aux conséquences politiques, parce que Que va devenir Griveaux? Pour l'instant... Est-ce qu'il a un avenir? Est-ce qu'on peut se... Reconstruire derrière. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut revivre après ça? Je sais pas. Politiquement? Oui. C'est compliqué, non? Oui. Pas pour le moment, c'est compliqué. Je sais pas, est-ce que le temps... Mais ça va être intéressant de voir comment, effectivement, est-ce que les gens, une certaine partie de l'électorat, quel électorat, quels gens vont dire on s'en fout? Oui, mais ça, on va se faire oublier, ça c'est sûr, dans un premier temps. Après, il aurait pu jouer les victimes et peut-être
Mais il y a une certaine compassion, quoi, parce qu'il était touchant. Moi, c'est touchant, oui. Moi, je l'ai trouvé, j'aurais aimé le voir un peu plus combatif, quoi. Là, il était un peu. Alors, à sa place, j'aurais peut-être été dans le même état. Mais, il était déjà presque chaos aussi. Je crois que vous êtes affecté quand vous Bien sûr, ça, non, mais ce qu'on attend aussi d'un leader et d'un homme politique, de quelqu'un qui aspire à être au premier rang, c'est d'avoir un comportement probablement hors du commun. Et donc, peut-être d'être là en train de dire je vais me battre, etc. C'est des salauds qui m'ont fait ça. Et, ok, je suis obligé de démissionner parce que. Mais d'être très combatif. Alors là, il avait vraiment l'air un peu soumis, un peu battu. Ce que je comprends très bien. Ouais. Mais d'un homme politique de premier plan, on attend peut-être autre chose. Et par exemple, Carlos Ghosn, ça n'a rien à voir. Mais quand il est en fuite, il se retrouve au Liban, il a quand même des trois camions de casseroles derrière lui, il est hyper combatif, il n'est pas soumis, il est là, je vais me battre, etc. Non, mais la différence, c'est que Carlos Ghosn a eu le temps d'y réfléchir, alors que lui, il est pris tout de suite. Il n'a pas pris le temps. Non, c'est pas la même affaire. Non, mais ce que je veux dire, le côté combatif, il y a un moment, il y a un niveau de responsabilité et de. Est-ce que ça a servi la République et Fillon d'avoir persévéré et d'avoir maintenu sa campagne? Absolument. Je ne suis pas convaincu que ça ait servi Fillon ou la République ou la démocratie ou l'image du politique, la crédibilité. Il aurait peut-être mieux fait Fillon de. Oui, c'est assez courageux de démissionner, d'arrêter, de dire voilà, je vais régler mon problème. Mais je ne lui reproche pas d'avoir démissionné, je lui reproche un petit peu d'avoir été un peu trop abattu, qu'on aurait aimé un peu un guerrier. Dans les conséquences politiques, ça réouvre. Nicolas Lombroso le disait tout à l'heure, il n'était pas en tête, il était loin d'être en tête. Ça lui permet de sortir, je peux pas dire pas une sortie honorable, c'est pas possible, c'est pas sur ces éléments-là, bien sûr. Mais ça opère une redistribution des forces en présence. On reparle même éventuellement d'une convergence entre la nouvelle liste d'Agnès Buzyn et de Villani, qui reviendrait en grâce chez LREM. Donc ça redistribue un petit peu les cartes derrière les deux premières. Ils étaient mal barrés quand même. Mal partis. La campagne prenait pas. On avait l'impression quand même tout le monde se levait le matin en disant tiens, j'ai une nouvelle idée, si on supprimait la guerre de l'Est, si on met donner 100 000 euros à quelqu'un qui va acheter un appartement. Enfin, donc des idées un peu bizarres et pas très pensées, semble-t-il. Là, on a une candidate qui. Après, on peut avoir aimé ou pas aimé ce qu'elle a fait comme ministre de la Santé. Mais enfin, c'était une des ministres. Il y en a deux ou trois qui sont... Il y a Blanquer, il y a elle, qui tiennent la baraque. Oui, c'est vrai. Absolument. Personnellement, je suis très choqué que... Vous êtes choqué qu'elle ait abandonné, par exemple, son ministère? Oui, le problème, son ministère, en pleine crise de l'hôpital, en pleine crise du coronavirus, je trouve qu'elle avait sûrement d'autres priorités. Et je suis très choqué. Ayant dit d'ailleurs le jeudi, à peu près, qu'elle ne pourrait pas faire campagne parce qu'elle avait des dossiers urgents. J'ai trouvé ça absolument incroyable qu'elle soit débauchée de son poste, alors qu'il y a des sujets brûlants dans son ministère. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que tout le monde l'attaque en disant le jeudi ou le vendredi précédent, elle a dit qu'elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps de militer auprès de Benjamin Griveaux. C'est complètement différent. En étant ministre, c'est complètement différent de dire j'abandonne et je deviens candidat. Dans un premier temps, on l'avait demandé d'être candidate aux européennes. Voilà, elle avait refusé. Je pense qu'on l'avait demandé pour la mairie de Paris. Elle avait refusé aussi. Elle préférait rester ministre. Et là, elle y va en mission commandée. Enfin, c'est mission suicide même. Est-ce que c'est suicide? C'est une femme et c'est une Parisienne, une vraie Parisienne. Donc elle a au moins deux avantages dans la campagne actuelle. Donc on ne risque pas de voir une sextape de sa bite. Ça, c'est déjà. On est déjà tranquille. Ou alors là, on ne sait plus dans quel monde on est. Ou alors tout est foutu. Je suis très ouvert. Mais justement, en mission commandée et mission commando, elle peut avoir quelques d'abord, il faut rappeler que les élections se jouent souvent au dernier moment. Et que là, il me semble, je ne sais pas, dans la situation parisienne, qu'il y a une sorte d'incertitude. Il y a quand même 60% des gens qui ne veulent pas la réélection de Mme Hidalgo, qui cherchent une alternative qu'ils ne trouvaient pas. Si, il y a Rachida Dati qui est montée, mais est-ce que auprès, je veux dire, des choses un peu bêtes, mais enfin, auprès de la bourgeoisie, est-ce qu'elle ne va pas plus percer que Rachida Dati, par exemple?
Ah ben oui, oui, moi je trouve qu'elle est tout à fait. D'abord, elle n'a pas. Alors, peut-être que ça va sortir. Là, on a 4 semaines avant les élections. Oui. Il y a peut-être plein de dossiers qui vont sortir. On peut penser qu'il serait sorti peut-être précédemment quand elle était ministre de la Santé. C'est quelqu'un qui a l'air tout à fait clair et. Oui, donc, je crois que. Oui, voilà, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose, visiblement. Donc, elle peut. Il y a sûrement une magnifique carte à jouer, effectivement, comme vous le disiez. Plus c'est une femme, donc c'est ce qui est plutôt assez habile. Après, il faut rappeler que ça se joue arrondissement par arrondissement, voilà, à Paris. Et qu'on peut être élu, on peut être élu avec moins de voix que son adversaire. Et que, bon, donc, et voilà, que probablement, ça va se jouer peut-être entre les deux tours, cette élection, en fonction des alliances qui seront passées entre les deux tours. Donc c'est assez compliqué. C'est-à-dire que les sondages qu'on a aujourd'hui ne veulent jamais dire grand-chose. Enfin, les sondages... Puisque il faut rappeler qu'Anne Hidalgo a été élue avec moins de voix que Nathalie Kosciusko-Morizet, si on avait... Voilà. Mais elle avait gagné les arrondissements qui comptaient. Comme Trump. Comme Trump aux États-Unis, mais c'est un peu le même système. C'est un peu le même système. Mais parce que c'est que les gens les États sont les arrondissements. Qui râlent contre Trump ne râlent pas contre Hidalgo, c'est un petit aparté. Non, mais après, c'est le système. Après, on peut, voilà, absolument, le système est comme ça. Aussi bien l'élection de Trump que celle d'Hidalgo. On peut reprocher à quelqu'un d'être élu d'après le système. Absolument, non, mais c'est... Enfin, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on aura encore une femme maire de Paris. Ah, donc, Villani, pour vous, c'est mort. Hein? Villani, pour vous, c'est mort. Je pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes candidates. Bah oui. Il y a des chances. Il y en a 3. 4 même. 4. Me semble-t-il. Oui, la France Insoumise, c'est... Mais comme vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux et des photos, il y avait un truc, c'était marrant, il y avait, pour les élections, il y a bus 1, bus 2, bus 3. C'est mignon. Oui, c'est... Oui. Peut-être une petite... Alors, ce n'est pas une conclusion à ce débat, mais il y a un livre que vous avez beaucoup aimé. Oui. Qui s'appelle « L'histoire universelle de la connerie ». Absolument. D'abord, c'est pas des rigolos qui font ce livre. Ah, c'est pas du tout. Universitaires. Oui, pas du tout. C'est des grands spécialistes de chaque domaine, de chaque discipline, et qui se demandent dans leur discipline, est-ce qu'on peut faire une histoire universelle de la connerie? Alors, effectivement, c'est un livre qui est sorti à la fin de l'année 2019, qui est un recueil de trentaine d'articles qui sont exclusivement rédigés par des historiens. Et des spécialistes de Moyen-Âge. Exactement. Etc. Et c'est donc dirigé par Jean-François Marmion, qui est philosophe, et qui a déjà écrit La psychologie de la connerie, déjà en 2018. Un spécialiste, donc. C'est tout à fait un spécialiste de la chronologie. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, c'est pas un bêtisier du tout. C'est vraiment une étude très argumentée et qui traverse les siècles, qui traverse les pays, qui traverse les langues, qui traverse les cultures et qui essaye de faire ressortir quelles sont les conneries accumulées par les hommes au travers des siècles et au travers des pays, et ce qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Alors, il a donné une interview dans Le Monde qui était aussi assez intéressante. On lui disait, mais quels sont les traits universels? Oui, si on peut en trouver, est-ce qu'il y a des traits universels de la connerie? Alors, il a dit, oui, il y a des traits universels qui ont traversé les âges. C'est la démesure de l'homme. L'hubris. Voilà, l'hubris. L'arrogance, qui fait croire que l'on peut être tout puissant. Donc, qui a permis. Ceci n'est en aucun rapport avec le débat précédent. Voilà. Et en fait, il donne une définition de la connerie qui je trouve tout à fait excellente. C'est celui qui juge sans savoir et surtout sans se soucier de savoir. Donc, il juge, il ne sait pas ce qu'il juge, mais surtout, ça ne l'intéresse pas de savoir s'il juge bien ou pas bien, quel est le problème. Et finalement, ce qu'il explique... C'est dangereux comme définition, parce que la démocratie peut ressembler parfois un peu à ça. Il y a le droit de vote, en fait. Oui. Non, mais c'est on est censé être informé. On est censé, mais on ne l'est pas tous. Ouais. Et finalement, le con, c'est celui qui a des certitudes. Celui qui n'a jamais de doute, qui ne se pose pas de questions, il a des certitudes, et puis il y va, et jamais il remet en cause ses certitudes. Or, l'intelligence, c'est peut-être justement de pouvoir changer d'avis, et pouvoir évoluer. Ne me regardez pas quand vous dites ça. Voilà, c'est ça. C'est ceux qui n'ont pas de certitudes. Bon, voilà. Et en fait, il dit, mais
c'est pas parce que l'on sait qu'on est un sachant que pour autant on n'est pas forcément un con. Oui, certes. Mais si la connaissance faisait qu'on n'était pas con, dans ce cas-là, l'ENA estampillerait les gens intelligents et pas les cons. Donc ça sait que l'ENA et la culture n'empêchent pas d'être con. Ouais. Et donc lui, il expliquait que finalement le remède à la connerie, c'est le doute, la nuance, la prudence, la tolérance, et ils sont mis à 30. Capacité à changer et l'autodérision. Ils sont mis à 30 pour trouver ça ? Non, mais c'est, ah oui, c'est ce que lui explique. Il y a une partie assez intéressante aussi, qui est une énigme pour les linguistes, c'est pourquoi le même mot... Il y avait une très belle chanson de Brassens là-dessus. Ah oui. Désigne à la fois le con et le sexe féminin. Et personne ne sait pourquoi. Ouais. C'est quand même. Oui, c'est un vaste débat. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Mais... Non, mais c'est vrai. Mais on pourrait en parler longuement. Parce qu'il y a, en effet, on peut aller voir des langues indo-européennes, etc. Ouais. Mais rien n'est très satisfaisant comme explication. Non, mais c'est très intéressant. Oui. Mais parce que souvent, là, c'est une définition un peu intellectuelle, il faut douter pour ne pas être con, etc. Mais souvent, le con, c'est l'autre. On est toujours le con d'un autre. Hein, ouais. Et alors, ce qui est intéressant sur le lien entre l'affaire Griveaux et la connerie, c'est qu'il écrit dans son article, qui est sorti ce week-end, mais qui finalement n'était pas rattaché à Griveaux, il disait « Les technologies d'aujourd'hui procurent à la connerie des bottes de 7 lieues ». Et c'est exactement ce qui arrive. C'est ce qu'on disait toujours, c'est qu'avant, toutes les conneries qui allaient sur les réseaux sociaux, c'était au café du commerce, et puis dès qu'on quittait le bar, c'était fini, alors que là, ça prend une dimension planétaire très rapidement. C'était déformé avec le téléphone arabe. Mais là aussi, c'est déformé avec les fake news, avec les deepfakes. Si ce n'est que l'image est restée un petit peu dans, jusqu'à ce que ça soit coupé, et ça s'est propagé au-delà des comptes. Il faut vraiment que, enfin, en tout cas, dans l'affaire Griveaux, la police est saisie, le PROC a ouvert une enquête, mais il faut vraiment appliquer, il y a des articles spécifiques là-dessus, et il faut les appliquer, ils sont là pour ça. Pour en venir juste 2 minutes à l'affaire Griveaux, qu'est-ce qui risque le pseudo-artiste russe ? Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. C'est l'article... Il y a un peu d'argent, un peu de... Oui, un peu de 60 000 euros. Oui. Bon. Il a peut-être touché le double. C'est l'article 226-2-1. Et c'est en matière justement de diffusion d'images sexuelles, porno, etc. Donc c'est spécifique puisque ça double la peine d'emprisonnement. Et il vise bien le fait que quand quelqu'un fait une photo, typiquement de Griveaux, fait une photo de lui-même, qu'il soit une photo sexuelle, qu'il l'envoie à quelqu'un à titre privé, dès lors que ça part sans son consentement sur les réseaux sociaux, ou ailleurs d'ailleurs, peu importe, à ce moment-là, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Donc il faut qu'il y ait un non-consentement à la diffusion, ce qui est une évolution législative par rapport à la jurisprudence, où la Cour de cassation jusqu'en 2016, et c'est pour ça qu'il y a eu cette réforme du Code, la Cour de cassation disait à partir du moment où on a accepté de se faire photographier, si c'est publié, si c'est publié, c'est tant pis pour nous. Même si on n'est pas consentant. Donc là, il y avait un arrêt de Cour de cassation de mars 2016. Et du coup, derrière, ils ont embrayé pour mettre un article pour bloquer. Parce que c'était quand même assez injuste. Si quelqu'un accepte de se faire prendre en photo, il n'hésite pas pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que je crois qu'il y a énormément de jeunes femmes, enfin pas que de jeunes femmes, de jeunes hommes aussi, mais qui sont victimes de revenge porn. Et c'est monstrueux. C'est un politique. Mais toutes les photos qui sont vues dans les lycées, notamment les jeunes, qui ruinent la réputation du fils. C'est le trucage, l'hyper-trucage en français. C'est des photos truquées avec des fausses photos. La personne n'est même pas responsable de la photo qu'on a pu lui prendre. Et donc, c'est l'échelon supérieur. Je disais qu'il y avait une start-up qui avait lancé une application qui permettait de prendre quelqu'un en photo, et avec cette appli, ça la mettait, ça passait au rayon, je sais pas quoi, et hop, la personne apparaissait toute nue. Et donc,
sur, on prend une photo de quelqu'un d'habillé, on récupère en fait une photo de nu et on ça, peut c'est la poster. Parfait, Florence. Hein. Oui, mais ça, ça a duré 4 jours. Vous êtes fait avoir, oui. La boîte a été fermée au bout de 4 jours. Voilà. Oui, non, mais c'est incroyable de penser à un truc pareil quand même. Qu'on dise peut-être un mot, il y a eu le discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Sur le séparatisme. Et sur le séparatisme, voilà, on dit plus communautarisme, mais séparatisme, c'est peut-être le débat. Oui, il y a donc eu le discours du président de la République sur la laïcité, sur le communautarisme, et ce nouveau mot « séparatisme oui. » qu'il emploie plutôt que communautarisme. Il y avait un article de François-Olivier Gisbert dans le Point qui disait « Le communautarisme, c'est le nouveau mal français ». Oui, nouveau, je trouve. Est-ce pas. Est-ce que c'est si nouveau que ça? Oui, non, c'est pas si nouveau. Mais enfin, je suis ravi que François-Olivier Gisbert, enfin, qui n'est pas suspect de... Non, il ne suspecte rien là-dessus. Il est à la pointe du combat là-dessus et je trouve ça très bien. Mais nouveau mal, non, c'est hélas. Enfin, il y a des gens qui le découvrent maintenant, enfin, mm-hmm. je veux dire, notamment toute une part. Mais est-ce qu'il n'est pas de plus en plus présent? Au fond, c'est ça le... J'ai l'impression que peut-être le couvercle que beaucoup de gens ont voulu mettre sur la marmite est peut-être en train de s'échapper un peu, que du coup on s'aperçoit vraiment que ça. Alors il y a des gens qui voulaient pas le voir, qui niaient les problèmes, qui niaient l'évidence, sont en train de dire bah oui quand même effectivement ah oui on en est là, oui c'est dramatique. Enfin, je crois que François-Olivier Gisbert en parle dans son papier, mais le bouquin de Pouponi là qui est extraordinaire, ouais. qui lui pendant des années quand même a été et le chantre de Sorcelles, ouais. voilà qui, pendant des années semblait ne rien voir. Tout est merveilleux, pas d'amalgame, pas de stigmatisation. Et là, maintenant, son bouquin, c'est une bombe atomique. Enfin, je veux dire, je souhaite que tout le monde le lise, parce que là, c'est vraiment faramineux. Écoutez, moi, je pense que les mots ont leur importance. Et c'est vrai que des mots comme assimilation, intégration, qu'on a utilisés pendant des décennies, finalement, laissent penser, laissent entendre qu'il faudrait abandonner une partie de ce que l'on est pour se fondre dans la République ou la nation. Alors qu'en fait, pour moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, commence à se poser lorsque les lois de la communauté s'opposent aux lois de la nation et de la République. Par exemple, avec l'excision, avec le droit au blasphème, avec la mixité. Les piscines. Ou les piscines. Tant qu'il n'y a pas finalement de collusion entre les règles de la communauté et les règles nationales, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'on peut se retrouver dans une communauté, c'est pas... Exactement, il n'y a rien de mal dans la communauté. Voilà. Par exemple, est-ce qu'on entend parler de problèmes avec la communauté vietnamienne ? Non, parce qu'ils n'ont pas de lois ou de règles qui viennent s'opposer aux lois de la République. Et je pense que la République doit être inflexible lorsque ces lois sont bafouées. Essaie justement d'aller contre les lois de la République. Et c'est là que le problème se pose. Et donc je suis content qu'on change de terminologie, parce que moi j'appartiens à divers communautés. Oui, je suis content de pouvoir revendiquer ces colorations, même plus ces connotations. La mondialisation est forte, plus on a envie parfois d'appartenir à des communautés. Et le sentiment d'appartenance, il est très important dans le bien-être et le développement de chacun. Et donc je suis très content qu'on ait migré vers ce mot de séparatisme. Ça dit bien ça. Ça veut dire on est ailleurs. Exactement. Pierre Chevalier. C'est plus une question globale, de vivre ensemble. C'est-à-dire cette capacité jusqu'à maintenant de la société française à avoir intégré toutes les communautés, toutes les sensibilités, et de pouvoir continuer à le faire sans considérer que justement que les lois de la communauté, des communautés prévalent sur les lois de la République. Oui, enfin, je ne suis pas sûre qu'on ait intégré les communautés. Je pense que, oui, on a plutôt mis de côté un certain nombre de communautés qui n'ont pas, où la mixité qui existait à une certaine époque a été complètement éclatée, et que chaque communauté a été parquée un peu dans des coins. Et du coup, on se retrouve avec des oppositions. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a un peu fait ce qui se passe aux États-Unis, mais sans la théorie des États-Unis, c'est-à-dire avec la théorie républicaine. Et ça marche pas, quoi. Aux États-Unis, c'est vrai que, enfin, dans les pays anglo-saxons, de façon générale, bah, chaque communauté vit dans son quartier avec ses propres règles, pratiquement. Et, oui, bon, enfin, ils en reviennent, notamment sur l'éducation. Oui, ils ne s'en tirent pas plus mal que nous. Ils ne s'en tirent pas si mal. Mais c'est pas notre histoire, c'est pas nos valeurs. Nous, c'est la République, donc voilà, on est tous dans la même communauté, si on peut dire. Mais après, il faut aussi de temps en temps appeler un chat un chat. C'est pas tant un problème de communauté qu'un problème de religion. Enfin, je veux dire, c'est quand même clair et net. C'est-à-dire, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de problème avec les Vietnamiens. Oui, c'est sûr, il n'y a pas de problème avec les Vietnamiens. Il y a un problème avec qui ? Il y a un problème avec l'islam
extrémisme, avec une vision de l'islam rigoriste. Voilà, c'est tout. Appelons les choses par leur nom. Et là, là, le débat peut vraiment avoir lieu. Parce que si on continue à dire « Ah ben, on a aucun problème avec les Coréens du Nord », on a pas... Oui, c'est certain. Voilà. Mais avec qui est-ce que ça peut poser un problème? Voilà. On le sait. Et 90% des musulmans, il n'y a pas de problème. Il y a un problème avec 10% de musulmans qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne souhaitent pas s'intégrer visiblement. Et le problème, il est là. Il y a un moment, il faut juste le dire. Et après, ça n'a rien ni de raciste, etc. Mais si pendant des années, la gauche n'avait pas essayé de faire taire toute personne, parce que dès qu'on a un discours en disant « Ah oui, attention, l'islam peut faire peur », on dit « Ah ben, vous êtes d'extrême droite, vous êtes un fasciste, vous êtes machin ». Donc personne n'ose rien dire. Et je veux dire, il faut le livre de Pouponi, il faut le livre, il faut le numéro spécial du Point, il faut tout ça pour... Enfin, les gens disent « Ah bon, donc on peut parler ». Voilà, qui est retentissant sur les territoires conquis par l'islamisme. Voilà, bon, bah donc voilà, osons appeler les choses. Vous avez, non ? Là-bas, il nous reste une minute, donc vous avez vu, là, il va y aller à la soirée des Césars, évidemment, avec... Enfin, pendant ce qui est des associations féministes demandent de ne pas voter pour J'accuse de Polanski, ouais, en un mot. Bah, qu'elle s'occupe de Mila plutôt que de s'occuper des Césars, qu'elle arrête d'emmerder les gens. On a le droit d'aller au cinéma si on veut, et puis on y va, et on y... Ouh, hein. On y va ou on n'y va pas, c'est tout. Et c'est un excellent film. Ouais, moi, je pense qu'il faut dissocier l'homme de l'œuvre, d'une manière générale, parce que si on avait assimilé tout au long des siècles les hommes à leurs œuvres, on aurait peut-être éliminé Jean-Jacques Rousseau avec ses traités L'Émile et l'Éducation, parce qu'il a mis 5 enfants à l'assistance publique. Ouais, c'est vrai. Et Voltaire s'était bien fichu de lui, d'ailleurs. Est-ce qu'on doit éliminer Céline parce qu'il c'est un antisémite? Pareil pour Rudyard Kipling. Donc je pense qu'il faut... On est suffisamment intelligent, je crois. Moi, je fais confiance à l'individu et à la réflexion de chacun pour être capable d'aller regarder un film tout en sachant que l'homme a fait des actes répréhensibles et que la morale réprouve. Pierre et Florence, en un mot, parce que... La liberté d'expression pour faire la part des choses. Bon. Ouais, tout à fait d'accord avec Mickaël. Pas mieux, et c'est un très bon film. Bon. Eh ben, merci infiniment à tous les quatre. Merci Florence Pinsky, Mercadé, Pierre Chevalier, Mickaël Lombroso et Jean-Charles Lajoigny. À très vite pour un nouveau numéro de PAF.